3, 2, 1, ça y est, c'est le week-end. Il est super week-end. C'est comme ça qu'on les aime. On est prêts pour affronter la nouvelle semaine. J'ai failli écraser tes pieds. Ah non! Bah si, ils traînent partout. Mais je fais pas exprès, hein. Voilà, position de travail de Lorraine. T'essaierais d'arrêter de se moquer. T'es sûr que tu veux pas des lunettes? Je suis bien, là. Moi, je pense qu'à la distance où t'es, je vois rien, quoi. On est en train de mettre en ligne pas le plan qui va sortir le 20. 20 septembre, je crois, non? Oui! Ça y est, c'est acté, sorti le 20 septembre. Et donc on la sort avec le distributeur Idol. Avec qui on avait sorti Love or Die. Avec qui on avait sorti Love or Die, exactement. Donc là, on est en train de préparer tous les fichiers, toutes les infos à leur transmettre. Donc là, on a la chanson, le visuel, les paroles. Et maintenant, il faut qu'on fasse les autres choses. Donc le label copie. Il faut écrire le titre de la chanson. Okay. Après, t'écris les artistes. Coucou. Come together. On arrive dans une heure à peu près. 10. Non. 10 minutes. On arrive dans une heure à Pornic. Oh, la tête, c'est mieux. Balance de 16h30 à 18h30. 19h, on mange. 21h sur scène. Exact. On a tout le matos dans la remorque. On va rejoindre Tony et Sébastien d'ici environ une heure. Et le temps est avec nous. Et ouais, il fait beau. Pour l'instant, c'est bleu. Nous allons vers le bleu. Parce que derrière, c'est moins bon. À toutes. Pourtant, je t'ai prévenu. Hein. C'est pas grave, on incrustera un panneau Pornic. Voilà. On est bien arrivé à Pornic. Petite loge toute mimi. Maintenant, on va aller mettre le matos en place et je vous emmène avec nous. Le débrief du concert. Attends, il vous a mis. Ça y est. Bon, il est pas content, l'allemand. Il a fait quoi? Il était pas content. Il était ronfrogné. Mais il vient de perdre sa place en demi-finale. Oui. C'est normal. Tout s'est vachement bien passé. Louis, comme moi, on n'a jamais eu une aussi bonne écoute. En règle générale, dans nos oreilles, on s'entendait trop bien. Tony, je sais pas comment il était. Faudrait que je lui demande, mais je pense qu'il était pas mal aussi. Et moi, j'avais une petite crainte, en fait, parce que les fois où on est venu à Pornic, à chaque fois, on était en première partie d'artistes assez gros. Du coup, c'était la première fois qu'on était en tête d'affiche d'un concert estival à Pornic. Et en fait, il y avait vachement de monde. Et le public était super bienveillant et hyper réceptif. Il y avait plein de gens qui connaissaient Il pleut.
Il y avait une super ambiance. Mmh. Il y avait des gens qui nous avaient déjà vus aussi à la chanson de café. C'était stylé. Hein. On avait même deux dans le public qui étaient venus en ciré jaune. Ouais, trop mignon. Trop mignon. Voilà. Trop cool. C'est la première fois que ça arrive. Et on s'était toujours dit que ça serait trop cool qu'un jour les gens viennent en ciré jaune. Et voilà, c'est le début. Alors qu'il faisait très très chaud et très beau. Donc il n'y a même pas l'excuse de la pluie. D'ailleurs, on pense à faire en merchandising des parapluies Lunis. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Dites-nous si vous avez des idées de merch, des trucs que vous aimeriez voir quand vous venez nous voir en concert. N'hésitez pas à nous dire aussi. Mais c'était trop trop bien. Et puis bon, comme d'hab, toute l'équipe à Pornic, un bonheur quoi, comme à la maison. Trop bien. Et on reviendra du coup pour la prochaine édition de Chansons de Café de Pornic, moi, en tant mais que spectateur. Touriste. Pour pouvoir vraiment profiter du festival sans avoir le stress des concerts et puis de la course contre la montre dans la ville. Il faut qu'on essaye de missionner CAM, faut qu'on leur dise de s'inscrire. Ouais, trop. Comme ça, en plus, si on vient, on pourra aller les suivre dans les bars. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment trop bien. Mais du coup, demain, petit déj. Mais, pas encore. Et voilà, on vous fait des bisous. Bonne nuit. Tum, tum, tum. Réveil matin, réveil matin. Réveil matin en se levant. 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 Ouais. Réveil matin en se levant. Ouais. Depuis tout à l'heure, je te filmais. T'es énervée. T'es énergisante. Ça va. Oula. Ouf. Ouf. Donc là, c'est parti pour le petit déjeuner. On vient de se lever, 9h30. Autant vous dire que 9h30, c'est pas habituel. Mais bon, ça va, bizarrement. Maintenant, on va manger le petit buffet. Ouh là là. On voit quand même qu'on se réveille. C'est moi le chat relou qui fait ma toilette. Mais c'est pas possible. Derrière la voiture. Bouge bébé. Mais t'es grave bébé. Tendance suicidaire. Elle va revenir. Voilà. Oh le bébé. On est bien rentré à la maison, je suis HS. Je pense que je vais vraquer, mais avant ça, je vais aller faire une mini récolte parce que j'ai vraiment envie de tomates là tout de suite. Il y a une fille qui est contente. T'es bête. Alors, voyons voir. Je savais qu'il allait y avoir une petite récolte. Par contre, j'aurais dû prendre un truc pour les ramasser. C'est trop bon. Bon, ça va devenir compliqué là. Le tournesol, bah, tranquillement mais sûrement, ça arrive. Et ici, c'est pas encore rouge. Ok. J'ai quasiment pas touché, mais je suis quand même dégueu. C'est horrible. C'est bon, j'ai bien choisi. Trop bien. Ce sera ciabatta et cassis. Trop bon. Ah oui, donc Nutella, si je savais. Souris vraiment, pour voir si t'as du moelleux dans les dents. Check avant la vidéo. Ok, j'ai du moelleux. Non, y a plus. T'es sûr? Oui. On peut faire la vidéo. Vidéo de The Young and Beautiful. Il va chuter. Vidéo acoustique. C'est parti! C'est toi le bébé joli? Oh, ça c'est mon bébé. C'est quoi la tona? Encore une fois après ça. Ok. Je suis Tania Croskata. Oh non, il y a presque une batterie. Je vais toujours aller chercher la batterie. C'est pas grave, ça tiendra. Quand je me play, ça fait quoi? Absolument. Voilà, tu vas faire une auto-sécu? Si tu veux. Moi, ça me va. Si c'était pas mal, on fait juste une. Ok. Prêt? Ouais. Non, c'était bien. Vidéo acoustique.
check. On n'avait plus de batterie, du coup on va garder la première vidéo. Et là, dans 10 minutes, on a rendez-vous avec Aramis, donc qui a travaillé sur le peaufinage de la production d'un des morceaux de Nitona, qui fera partie de l'EP qu'on sortira, si tout se passe bien, en fin d'année. Et là, on a rendez-vous avec lui. Pourquoi on a rendez-vous avec lui? Pour discuter, pour finaliser l'EP de Nitona. Pour parler de la prod, quoi? Je pense, oui. Donc, et puis après, il faut qu'on fasse la petite vidéo dont on vous parlait l'autre jour pour McFly et Carlito. Et voilà. Et après, on ira courir. Et après, on ira manger une crêpe chez Yolik. Et ce sera pas mal. Hello. Hello. Hey. How are you? I'm doing well. How are you guys doing? We are better. Fine. Yes. Well, so I'm just gonna do it really quickly. The reason I called was about like the tracks. Yeah. Yeah. Do you want me to do any productions already on your Twilight before you record top lines on it? Yeah, I think we could make the record before or after. I mean, we don't need necessarily the final production to make the vocals. Yeah, that's right. That's what I was wondering. Yeah, I think that's important to have the good BPM and the good mood and rhythm, but yeah, that won't change a lot. So I think we can do on the production we have for the moment. Perfect. And okay. I think we talked about mix master. So yeah, I think yeah, it was little adjustments if needed. Mais après, si lui, il avait... But if you have some ideas to make it even right, more powerful, you can try it. No, okay, perfect. I'll just run it through my chain. Yeah. And then Antoine discussed a deadline for the 21st, so out 3 weeks from now? Yeah. So we should by then have everything towards final, pre-master. By the way, do you guys have any updates from Poilo on Call on You? Il travaille dessus genre avant la fin du mois. Yeah, he will work on it before the end of the month. Okay, so let's do like a catch-up call when you send me the, when you guys have recorded the vocals. I think we could record like maybe by the end of the week. I could do Undersea today and send you guys a mix master. Okay. See what you guys think. Amazing. And thank you for Gravity, that's really cool. Yeah, that's amazing. You guys enjoy that version? Yeah, that's really good. That's really more powerful. That's yeah, so great. Take care, guys. Thank you. Thank you. Have Bisous. A good day. Bisous. Bisous. Minute papillon. Faut qu'on t'explique comment on en est arrivé là. On incrustera la machine. Si tu veux, ouais. McFly et Carlito ont lancé... McFly et Carlito ont lancé un challenge pour permettre à un de leurs abonnés de gagner cette superbe machine. Je vais la mettre là. Donc moi je peux dire, et notre concept il est simple. Notre idée serait de mettre d'un côté des chansons choisies par notre communauté, et toi tu dis, et de l'autre côté, différents styles musicaux. Ok, exemple. Et comment on fait l'exemple? Toi tu fais. Et on ouais, mettra juste un truc qui fait pff, tac. Mm. Et la suite, vous l'aurez compris, ça donne ça. Et là ça lance. T'es un petit joueur un peu. Attends, mais c'est parce que tu fais pas bien. 3, 2, 1, ça y est, c'est le week-end. Il est super week-end. Voilà, pas mal. J'ai avoir quelque chose. Je me rappelle plus qu'est-ce que c'était. C'est bon. Final Cut Pro. Votre caméra. Oh, quelle coiffure extraordinaire. Oh là là. C'est mieux ? Ouais. Je suis en mission, créer un petit, genre, enfin une roulette quoi, de propositions. Oui. Mais genre je vais faire ça simple. Bah c'est parti. Et bah c'est parti. Nouveau projet, roulette. Donc, pour faire ma roulette, qu'est-ce que je vais faire ? Donc pour faire ma roulette, je pense qu'on va tout simplement aller chercher un texte. Ça se trouve ça existe. Mais ça se trouve ça existe un truc comme ça. Déjà ça, et ça, oh bah attends, incroyable. Je coupe, je vous montre quand j'ai fait un truc un peu. Voilà, j'ai fait un truc simple, un truc qui fait... Ding. Weekend. Puis après... Ding. Punk rock. On va rajouter le son dessus. Et aujourd'hui, on a sorti Satisfaction en hyper techno. Satisfaction.
satisfaction. C'est Louis qui a la caméra, du coup on switch sur le téléphone pour enregistrer Weekend. Ah, ah, 3, 2, 1, ça y est, c'est le week-end, vive les super week-ends, c'est comme ça qu'on les aime, on est prêts pour affronter la nouvelle semaine. Voilà. De manière que ça va pas être leur frein qu'on va garder pour la version def, là, c'est vraiment à la va-vite. Mais pour la version après, qui sera potentiellement, très sûrement, mise sur les plateformes, je vais m'appliquer un peu plus que ça quand même. Surtout que là, je viens de manger, du coup, il va y avoir des bruits de bouche partout. Et j'ai fait une bonne allergie, du coup, j'ai le nez à moitié pris. Donc clairement, ça va pas être les frises def, mais elles sont assez cool quand même, je pense. Donc on va faire avec ça, ça va être chouette. 3, 2, 1. Il y a du son phare ? Je sais pas. Là, il y a pas de son. Là, il y a du son. Ok. Yeah, 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 a guy. Weekend, weekend, les aime. C'est bien ça, non? Je pense que c'est pas mal. Je peux refaire, le dernier, les aime, il est parfait. Mais les deux premiers ouais. Week-ends, en plus d'intention, parce que du ça coup, marche. J'étais réfléchi. Et le dernier, par contre, les aime, il était top. Weekend, weekend. Il y a juste le premier week-end qui est un peu moins bien. Je sais pas ce que t'en dis. Tu peux le refaire si t'as envie. Hein. Week-end. Je pense que c'est bien. Et là, faut que je fasse. Ça y est, c'est le week-end. Là, je fais un gauche-droite. On est prêt pour affronter la nouvelle semaine. Ok. Fais l'autre oreille. Ouais. Tu veux que je te mute celle-ci ou pas? Ouais. Ça y est, c'est le week-end. Vive les super week-ends. T'es bien? On est prêt pour affronter la nouvelle semaine. C'est bien. Je vais mixer tout ça. Bah c'est pas mal, non? Juste peut-être celle-là qui est trop. Peut-être lui mettre une petite disto. C'est pas mieux, là, mon armo? C'est pas mal, hein? Ouais. Ah voilà. Ça y est, c'est le week-end. C'est bien. Bah, c'est bien si c'est bien. Arrosage. Parce que ça craint. Faut vraiment arroser. Elle veut rentrer. Elle a une frappe. Elle sait que c'est pour les enquiquiner. Ah, viens. Allez, viens. Du coup, j'ai même pas des briefs parce qu'on est parti vite. Mais du coup, les vidéos sont en ligne. J'ai mis sur TikTok et Instagram. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Toi, t'as fait du ménage. J'ai lavé les vitres. Lavé la vitre du poisson. Enfin, des poissons. J'ai aspacé l'aspirateur. Et puis, du coup, là, on va aller regarder les matchs. Si, j'ai fait la roulette aussi. Oui, t'as fait la roulette pour la vidéo de McFly et Carlito. Ouais. Et là, on va regarder le match France-Espagne où il y a déjà un buteur. France dépêche. Oui, mais c'est bon, il y a le temps. 90 minutes. Ouais. C'est parti. J'ai fait ma petite récolte. Je voulais la faire hier, mais il faisait trop sombre. J'avais pas envie de me tâcher vu que j'étais en blanc. C'est pas mal. C'est pas énorme pour un mois d'août, mais bon. On a de la green zebra, de la cœur de bœuf. Après, vu que c'est que des plants sauvages, les autres, pour savoir ce que c'est, aucune idée. Mais c'est bien. Ça sert pas à nous, c'est bon. Chut. Ça, c'est l'été. Nique, nique, nique. T'es contente? De quoi? Qu'est-ce que t'as fait ce soir? On a été faire un pique-nique? Non. Mais on ça, a t'as été déjà voir raconté. Un concert? T'as déjà raconté ça.
Et après, on a passé 2 heures à essayer de récupérer le compte Facebook de Louis. Voilà, on s'est fait hacker. Donc la joie. Mais du coup, j'ai pas du tout pu avancer sur le vlog. Si le vlog, il est là lundi, vous saurez pourquoi. En rentrant, je me connecte sur Internet, j'essaye d'aller sur Facebook. Et donc, j'arrive pas à me connecter. Et donc là, on reçoit un message qui dit « Votre compte Facebook a été désactivé ». Donc on se dit « C'est quoi ce bordel ?» Et après, donc on va sur la boîte mail. Et en fait, bah, y avait quelqu'un qui a réinitialisé mon mot de passe. Donc ça a mis sur mon mail « Voici votre code pour réinitialiser votre mot de passe. Votre mot de passe a bien été réinitialisé. On a reçu aussi après 2 mails nous disant « Ouais, vos promotions, en gros, ne peuvent pas être mises en ligne parce que, en gros, vos données bancaires ne sont pas mises à jour, je sais pas quoi. » En gros, si elles avaient été à jour, on aurait été dans la mouise. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas utilisé de carte bancaire sur Facebook depuis... Une éternité, en fait, on a utilisé clairement ça pour tester les promotions Facebook. Et en fait, on s'était rendu compte que c'était complètement nul, les pubs sur Facebook. Ça servait à rien du tout. Donc, depuis, on n'a rien fait avec nos cartes bancaires sur Facebook. Et heureusement, parce que du coup, c'était nos vieilles cartes. Et en fait, le pirate a rien pu faire. Mais bon, il a bloqué notre compte, puisque Facebook s'est dit, c'est quoi ce truc bizarre. Mais du coup, on n'arrive pas à... On ne sait pas comment faire pour récupérer le compte, parce que Lorraine a essayé le truc le plus logique du monde. Bah, normalement, il y a une page qui est en plus dure à trouver, où en gros, tu dis, je me suis fait pirater, et ils te disent, il faut te reconnecter en mettant soit ton mot de passe, soit un ancien mot de passe. Et clairement, le mot de passe actuel, on l'a pas, parce que c'est la crapule qui a dû le faire. Le pirate. Et... le pirate. Et l'ancien mot de passe, et bah, ça marche pas. Donc... Je sais pas, là je suis battue. C'est pas des pirates. Faudrait leur trouver un autre nom. Des gens qui sont juste derrière leur ordinateur. Des flancs. Des flancs moisis. Parce qu'un pirate, tu vois, les pirates c'était les yeux dans les yeux, ils sautaient sur le bateau. Ils étaient là. Ah, il y avait un côté, tu vois. Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est si je vois le temps de ta vidéo. Ça non mais t'es d'accord avec moi. Oui. T'es d'accord avec moi. Ah, tu vas tellement faire le vlog. Non mais. Ah si. Parce que t'es d'accord avec moi. Oui. Le pirate, les yeux dans les yeux, oui, le flamboisi, le flamboisi là, derrière son truc là.